Salutations tout le monde, ici Rusa qui vous parle, et aujourd'hui on se retrouve à nouveau sur Subnautica. Et pour cette fois-ci, nous allons pouvoir continuer notre partie et sans problème, car il n'y a eu aucun problème, aucun virus, parfait. Donc, nous allons pouvoir continuer et espérer trouver des nouvelles choses. Donc, allons-y. Bien. Dehydration detected. Nous y sommes, et déjà en train de... Ah, ça commence déjà à bugger. Donc, ok, mon personnage bug. On manque de rien. Et ici, du sel. Ici, on va s'en prendre deux. On va se faire de l'eau. On ne plus en avoir soif. Et aller chercher aussi un pauvre petit animal qu'on va aller manger. Bon, pour commencer, il nous faut deux. Pas celui-là, ça ne pas comme estime. Bon, on va essayer. Un, deux. Puis. Un de ceux-là. Et toi ici, mon petit. J'ai besoin de toi, désolé. Oh, c'est bon, quand même, je me mets de l'eau. Ça bague! Tu es capable d'attraper le poisson comme ça? Ouais. On dirait que non. Bon, bah, on va essayer de choper le poisson plus normal. T'as ici, toi? Je vais te voir. Oh! Ils se sauvent maintenant vraiment eux autres. Hello! Je vais t'avoir. 10 seconds of oxygen remaining. Je remonterai pas, attention, tant que je n'ai pas. Oh, détends. Non, mais c'est la première fois que je galère pour attraper un simple poisson qui, habituellement, j'ai pas de misère à attraper. Et, toi, là, je vais t'avoir. Reviens, arrête de bouger. New creature discovered. Dans ce jour-là, oui, c'est la première fois que j'ai... Cette partie-là, c'est la première fois que j'ai attrapé ce poisson. Dans le passé, je l'avais déjà attrapé. Bon, ça... On va tout de suite manger. Ah, maintenant, on va aller chercher ça, ça, au Javel, deux fois. Puis au désinfecté. Voilà, plus besoin de s'inquiéter pour l'eau. Et voilà, on va chercher. Déjà, c'est quoi que vous voulez faire? Ah oui. Pour celui-ci, on va essayer de construire un fabricateur. Donc, deux titanes, ça on en a déjà deux, un kit de câblage et un circuit intégré. Bon, on va y voir, quelques informations sur ceci. Donc, allons-y. Est-ce que j'ai des choses avec ça? Non, pas du tout. Ok. Déjà, c'est quoi? Kit de câblage et circuit intégré. Ok. Ça doit être dans l'électronique. Kit de câblage et circuit intégré, je pense. C'est ça. Bon, ça. Déjà, pour ça, il nous faut juste deux minerais d'argent. Et ça, il vous faut un minerai d'argent, un quartz, que je pense qu'on a déjà, et deux échantillons de corail plat. Donc, on va regarder si bien ça. Oui, ah, c'est très simple dans ce cas-là. Déjà, on a déjà échantillon de. Non, je pense pas que ça se sente. Ok. J'ai comme un point. J'ai comme un. Ok, c'est échantillon de corail plat. Ok, je suis retrouvé ça très facilement. Du coup, non. Allez, on retourne dans la petite forêt. On va aller deux fois plus vite. Et pour ça, d'utiliser ça. J'ai une batterie par contre. Trois batteries, ça va aller deux fois plus vite. Bah, deux fois plus vite, je crois. Là. Mm-hmm.
La dernière fois, vous savez, je vais essayer de chercher une façon de rentrer. Eh bien, je n'avais pas vraiment remarqué qu'il y avait ceci. Caution, 30 seconds of oxygen remaining. Bon ben, cet endroit-là semble nous montrer qu'il y manque sûrement quelque chose. Sûrement dans une prochaine mise à jour, il y aura peut-être quelque chose ici. Pour le moment, respiration, retournons ici et on va chercher notre petit minerai d'argent. Ceci est en même temps scanner ce poisson. Hop, fiche! Le poisson qui ressemble plus à un poisson, on va dire. S'en entendait ça. En fait, c'est un peu normal, c'est dans la zone. J'ai fait 2x2. Oh. Au! Lui là, il veut pas faire coucou. Caution, 30 seconds of oxygen oh, ouais, remaining. Il y avait qu'est-ce que j'ai au-dessus de moi? Quoi ça? Un poisson dans le lui, pas moi. Ça. Minerai d'argent, 1. Minerai d'argent, 2. Déjà, il manquait quoi d'autre pour faire ça? Caution, 30 seconds of oxygen. Bah là, là, tu vas attendre. On avance. Ça a bugué vrai. Oh, encore du titane, j'en ai pas besoin. Emergency, 10 seconds of oxygen. Là on y va, 10 secondes, plus loin, je crois. Ok, notre baie se trouve là-bas. On va t'en lancer. Oh bordel, j'ai eu peur. Et cette sorte de plante là, en fait c'est une sorte de méduse. Évidemment quand elles sont là, je sais qu'il y en a un autre qui est là. T'es où l'envoûteur? Je sais que t'es supposé être dans le coin. Ça, c'est une caverne. Faisons attention, il pourrait avoir un envoûteur là-dedans. Mais j'aurais pas besoin de rester parce que j'ai trouvé le dernier qui me manque. Ok! Oh. C'est un simple rôdeur. Je pensais que c'était un envoûteur qui m'avait vu et qui voulait me manger là. Sont considérés pour ne pas être agressifs, c'est-à-dire qu'ils vont simplement nous attaquer pour se défendre. Mais bon, ben moi je préfère pas les voir. De plus, si je préfère les voir, c'est quand que je vais avoir mon Ziemot. Mais bon, là il nous manque simplement deux petits trucs. Estantillons de corail plat, si je me trompe pas, et qui sont juste là. Je le prends. Ça, c'est du.
quand je te garde avec moi. T'as là, tu vas être mon premier poisson. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Vous l'entendez? Il faut encore des petits bouts. Toi, non, désolé, je vais pas te tuer, t'inquiète pas. Voilà! Regardez-le comme il est tout chou. Bon, allez, maintenant, on dispose d'avoir tout le matériel pour construire ça. Donc, le constructeur, je vais le mettre juste ici. Voilà, le fabricateur, je veux dire. Maintenant, on n'aura plus vraiment besoin de notre chère petite base. Merci! J'aime trop. Maintenant, on a ça, on a ça, on a ça. On a pas encore ça! Comme j'ai dit, on va avoir de tout. Donc là, il nous faut simplement deux titanes. Moi, j'aurais cru qu'il faudrait plus que ça. J'avais si t'es encore trompé, désolé. Ah, maintenant il me demande deux verres. Est-ce que j'ai du verre? Non, je n'ai pas de verre, donc on va faire ça. Combien de verres? Un seul verre, ok. Donc on va faire ça, 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 ça. Après, on va faire ceci. Voilà! Ok, je sais pas ce qui s'est arrivé. Bon. Maintenant. Voilà, on peut. Comment on fait pour l'ouvrir? Bon, voilà. Maintenant, on a tout ça de stockage. Qui veut dire qu'on va déposer déjà ceci, plus ça, ça et là. Donc voilà. Sauf que dans celui-ci, comme vous pouvez voir, on ne peut pas mettre des affaires comme du verre ou quoi que ce soit comme mot. Je crois que si en fait on peut mettre quelque chose, mais. Ok, c'est comme genre là. Là, il nous faut simplement du fil. Allez, bon, ça. C'est pas ça que je vais faire. Bon, merci. Du fil, c'est sûrement du 2. Non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà. Fil. C'est fait. Maintenant, on va là. Marque. Mais pourquoi est-ce qu'il me dit ça? J'ai pas envie de faire ça, moi. Merci. C'est pas ça que je voulais faire. On va faire ça. Même. Non, c'est pas ça que je vais faire non plus. Oh. Bioréacteur, transforme les matières, ok. C'est pas ça non plus, il y avait ça aussi. C'est pas la même chose? Bon, on verra ça un peu plus tard. On va marquer ça là. Merci! Là, on va marquer stockage. Non, pas cette gueule. On va écrire test. Voilà, ça fonctionne. Il y avait d'autres choses aussi qui t'avaient. Oh, on peut grossir en plus. Caution, calorie deficiency detected. Ok, je vois pas trop à quoi ça va nous servir. Ah, oh, je comprends maintenant. Veuillez ça. C'est qu'on va pouvoir ajuster, genre si je m'enlève là, j'arrête. Voilà, là ça va dire test. Ça dit que si je fais ça, et je dis ça comme ça. Minerai. Je pense que c'est comme ça. On fait ça de même. Et voilà. En fait, s'il était bien installé la flèche, on pourrait bien le voir que c'est là. Bon, là, c'est pas ça que je vais faire. Voilà. Bon, minerai, on va dire ça comme ça. Mais c'est peut-être pas comme ça s'écrit, je m'en fous un peu. Maintenant, on va aller à la recherche d'autres choses et essayer de trouver ce fabuli. Je vais voir même comment on pourrait le trouver. Comment ça? La bouffe. Je sais que j'ai un poisson, mais j'ai pas envie de le tuer. On va aller chercher ceci, du sel.
Oh oui, regardez bien. Vous voyez, c'est là, on les a oubliés de l'escalier aussi. Ils sont pas très beaux. New creature discovered. Regardez-le. Caution, 30 seconds of oxygen remaining. Ok, je vais te lâcher. Est-ce que je suis pas méchant? Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Ah, papa, qui a besoin de lampe torche quand on a ça? On va pouvoir recharger les piles. C'est intéressant, ça. Je croyais que les piles étaient jetées quand on avait fini. Là, on est loin dans une zone encore moins... Oh! Hey! Yeah! Je me sens jamais en sécurité. En fait, je sais pas si je suis comment on appelle ça. Vous savez, la famille, quand c'était ça, presque comme une maladie, je sais pas, ouais. Quelqu'un qui a pas les profondeurs, et c'est ça. Aucune impression, c'est ça que vous. Bah, allez, c'est le temps de se trouver à nous. Ne sont jamais sécurisables. Juste pour prendre lui. Allez, on rentre. Caution, 30 seconds of oxygen remaining. Rentrons maintenant, on a un nouveau petit ami. Je vais l'emporter dans notre chez nous. Il doit faire. C'est un bug là. Regardez la Kamaki. À moins que c'est dans, à moins que ça soit vraiment. Vous savez? Le pauvre, il a vraiment peur. Il est plus mignon qu'on croit quand on regarde ça comme ça. Il reste en, comme ça parce qu'il a pas envie de se faire. De se faire bouffer quoi. Encore prête, bon ça, en stupide temps. Comme tu passes avec les fers. Bon maintenant, je vais savoir que tout le temps. Je vais donner un truc, est-ce que ça va? Oui, ça va à l'intérieur. Ok, vous savez quoi? Je pense que je vais essayer de faire une chose. On va essayer de voir comment fonctionne le réacteur aujourd'hui. Donc, allons-y. Pour commencer, la première chose la plus importante à faire, c'est de construire ceci. Mais pour le moment, il nous faut le truc le plus important, du titane. Et j'en ai à la tonne. Hey! Voilà. On va en prendre à la tonne. Toi, t'entends là-dedans. Toi, tu viens avec moi, on sait jamais. En fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça encore. On y va. On va faire ceci. Voilà. On va en faire un autre.
là, voilà. Tu as encore un petit peu plus. Maintenant, après, on va faire ça ici. Et juste là. On va voir cette titane. Non! Ce qui me sortira tellement fort. Bon, allez, retournons à la chasse aux titanes. Et voilà. Pas très sécuritaire. Je pense que je vais aussi reconstruire ceci. Voilà. Il va falloir qu'on fasse deux fois. Quatre. Ça va être correct. Ah, il doit sûrement se fermer tout seul. J'ai aucun souvenir de l'avoir fermé, moi. Non, ok. Ah bon, mais... Non, pas l'eau, la nourriture, voilà. On prend ça, et on se liquide ça. Là, c'est fait. Maintenant, mon bâtiment a une endurance de 13.5, ce qui est très bon. Car on en perd quand on met des appels de maille. Donc, allons-y. Maintenant, on va mettre ceci. Je ne fais quoi? Ok, là, il nous faut du lubrifiant. Et du lubrifiant, comment qu'on fait ça? Eh bien, très simple. Bon. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Faut que je vois ici, y a pas quelque chose qui va pouvoir me permettre de plus longtemps sur l'eau, parce que si on imagine que le bobek. Ah! C'est quoi ça? L'avez-vous vu comme moi? Ok, je suis pas sûr. Est-ce que je m'en approche ou je m'en approche pas? C'est moi ou c'est un omni qui périt sous l'eau? On a trouvé un vaisseau extraterrestre. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. C'est quoi ça? C'est bon. Bon, ça, je m'en approche pas. Je sais même pas c'est quoi. Ok, il faut que je me place sur moi un peu de place. Est-ce que je peux me débarrasser? Je sais pas, genre, ce serait pas écologique si tu verrais ça. Dans ce cas, je vais acheter ça. Bon, enfin, que j'ajoute ça. Est-ce que je m'en approche ou je m'en approche pas? C'est ça la question à se poser. Parce que ça pourrait être scannable. Mais ça me rassure pas! Vous savez quoi? Je pense pas que je vais m'approcher. Vous savez, oui, on va aller chercher un peu d'eau. La porte s'est encore fermée. Je suis presque sûr qu'on a trouvé, c'est soit une soucoupe volante qui est prise sous l'eau, ce qui va peut-être nous dire qu'on va avoir des soucoupes volantes, donc peut-être des omnis, qui vont vouloir peut-être nous péter la gueule dans le jeu, à moins que ce soit une créature aquatique gigantesque qui soit complètement prise dans un bug. Mais vraiment, c'était quelque chose. Ah, ça m'a fait peur, ce coup. J'ai jamais vu ça. Bon, allez, on va arrêter de parler de ça, là. On va chercher de l'eau de Javel. De lubrifiant.
et de l'eau. Ben là, ça va être la bouffe. En premier, on va y prendre ceci. Ok, il nous faut 3 titanes. Et attends. Encore du lubrifiant? Tant bien, il m'en fout. Ben, il est déjà là, le lubrifiant. Peut-être qu'il veut en premier 100 titanes. Donc, on va y chercher 100 titanes. Voyons ce que cela va nous donner. Voici donc le réacteur, le bioréacteur. Bon, dis-moi comment tu fonctionnes en fait. C'est que je dois te mettre des trucs à décomposer là-dedans, c'est ça? En fait, comment ça fonctionne? Y a-tu un... Transforme de matière végétale en énergie composable. Ok, donc il faut aller chercher des plantes pour te faire fonctionner. Très bien. Bon, je reviens, je vais juste aller chercher ce qu'il faut. Voilà. Maintenant, je vais mettre cette plante là-dedans et ça devrait bien fonctionner. Je pense bien. Que c'est ça? Active, voilà. Donc, c'est ça. Ouais, eh bien, j'espère que ça a bien fonctionné. Il était qu'il est actif, ça veut dire que... En décomposition, ça. Il est en train de le décomposer, là. Donc, c'est ça, un bioréacteur. Et de plus, quand vous regardez ma puissance d'énergie, j'avais pas remarqué dès le début, mais regardez, on est passé de 150 à 250 maintenant. Ça veut dire qu'on peut avoir jusqu'à 250 de puissance d'énergie. Et bien là, c'était vraiment très intéressant aujourd'hui comme... nouveauté pour dans le découverte dans le jeu comme vous avez pu voir. Et pour aujourd'hui, eh bien ça va être terminé comme je le disais il n'y a pas longtemps. Et que on va se laisser sur cette belle vue de cette belle lune et cette belle océan en vous disant que si vous avez aimé cette vidéo, merci de cliquer sur le pouce qui va vers le haut et de vous abonner pour les vidéo à venir. Qui sait, peut-être qu'une vidéo de Subnautica vous expliquera des choses, comment faire pour avancer dans votre jeu, ou des créations, ou même trouver certaines sortes de poissons. Sinon, pour tous ceux qui sauraient qu'est-ce que j'ai vu là, merci de me dire qu'est-ce que c'est. Parce que pour moi, j'ai l'impression de ne pas vraiment avoir vu cette sorte de poisson sans les 1. Et aussi, regardez comment c'était. Ça tournait toujours en rond. Et d'une façon bizarre, on aurait dit une soucoupe volante qui venait directement de s'écraser dans l'océan et qui était toujours en train de se tourner en rond. Pensez-vous que c'est en fait des ovnis? Ou une sorte de poisson gigantesque de la taille d'un ovni? Ou je sais pas moi. Mais c'était plutôt effrayant que vous regardiez ça. J'ai essayé de m'avancer. Et je sais pas, je me sentais vraiment pas rassuré. Mais bon, on va se laisser sur ça. Et si je vais vous dire un truc, merci énormément d'être venu regarder ma vidéo. Merci énormément. Et je vous dis à la prochaine fois tout le monde. Ciao!